j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette fameuse vidéo maîtresse, idée cadeau maîtresse. C'est une vidéo que vous me demandez tous les ans en fait sur Instagram, je vous invite à m'y rejoindre. Vous venez me demander, dis-moi Karine, est-ce que tu as des petites idées cadeaux pour la fin d'année et tout ça? Puisque oui, la fin d'année arrive à grands pas là, c'est imminent. Et comme vous le savez, je suis professeure des écoles, tous les samedis je vous propose d'habitude une vidéo teach vlog, mais là, samedi, je vous propose cette vidéo là, idée cadeau pour les maîtresses ou les maîtres. Alors je vous ai déjà fait deux fois cette vidéo avec d'autres idées cadeaux. Aujourd'hui je vais essayer d'être un peu originale, de vous proposer des petites choses qui sont dans la tendance actuelle, mais il va falloir commander hein. C'est à moins que vous les trouviez près de chez vous, ça peut être possible aussi, il faut fouiner pour faire marcher un petit peu le commerce local, les petites créatrices etc. Mais il y a plein de choses, c'est des petites choses faites par des créateurs. Donc je vais vous illustrer tout ça avec des photos ou des petites vidéos, des petits inserts pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Mais en tout cas j'ai essayé de trouver des vidéos un petit peu originales et qu'on n'a pas forcément en tête tout de suite quand on pose un cadeau pour les maîtresses ou les maîtres. Alors moi j'essaie de vous donner des idées cadeaux qui vont être utiles et pratiques pour un professeur des écoles et éviter si possible tous les micro gadgets parfois qui s'accumulent parce qu'on en a eu 20. Donc voilà. C'est juste une suggestion. Après évidemment tous les petits cadeaux font toujours plaisir, mais en numéro 1, et je vous le répète à chaque fois, rien que de dire un merci quand vous êtes satisfait du travail de l'enseignant, que vous trouvez qu'il a fait un bon travail cette année avec votre enfant, et ben le merci il est important. Et je trouve que ça c'est quelque chose qui se perd avec les années, parce que les gens ont tendance à se dire bah il fait son taf. Bah en fait parfois les enseignants oui font leur taf, mais ils méritent quand même un petit merci. Et parfois il y a des enseignants qui font plus que leur taf et ils méritent encore plus un grand merci, vous voyez. Donc moi je trouve que le merci c'est essentiel, ça reste de la politesse, ça reste... Voilà, on a eu vos enfants quand même les trois quarts de l'année, autant que vous, on les a vus tous les jours grandir, évoluer, être autonomes. On a essayé de faire de notre mieux pour les faire passer dans le niveau supérieur. Donc un petit merci, ça fait toujours, toujours plaisir. La première idée qui est en mode utile et pratique, c'est les fameux carnets EcoNotebook. Je suis trop 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 contente d'avoir découvert ces petits carnets là, qui sont des petites pages en fait un peu plastifiées, et vous pouvez écrire dessus avec un stylo spécifique que vous achetez sur le site EcoNotebook. Et c'est un stylo qui permet d'être effacé, vous mettez un sheet d'eau, vous effacez avec la petite lingette que vous avez avec, et paf, vous réécrivez à l'infini. C'est vraiment, je trouve, hyper pratique. Depuis que j'en ai eu un, puisque c'est ma copine Laetitia qui me l'a offert le premier, depuis que j'en ai eu un, je l'utilise énormément pendant mes réunions, parce que comme ça, ça me permet d'écrire les bilans de réunion, les bilans, voilà, souvent c'est des choses qu'on relit pas après. Et je les scanne et je les mets dans mon iPad, dans un dossier spécial réunion, comme ça si j'ai besoin d'une info que j'ai écrite dans ce carnet, paf, je vais voir dans mon iPad. Donc vous, il existe une application avec EcoNotebook pour pouvoir vous aussi scanner vos informations. Mais voilà, si vous avez des petites réunions où vous devez faire 2-3 notes, le temps de pouvoir le mettre dans votre agenda par exemple à la maison, etc. Et bah c'est hyper pratique, parce que comme ça après quand vous avez passé ces infos, vous effacez, ça s'efface même longtemps après, hein, la dernière fois, 2 mois après ma réunion, j'ai effacé sans problème. Évidemment faut frotter un petit peu plus, mais ça s'efface super facilement et paf, on réécrit par dessus sans problème. Je trouve que l'idée est assez révolutionnaire, parce que ça, j'avais peur que ce soit un peu en mode comme un carnet, mais où il faut écrire avec un feutre Velleda. Là vous avez vraiment des stylos qui sont très agréables d'ailleurs à écrire, hein, presque c'est plus agréable qu'un stylo normal je trouve. Et vous avez même les 4 couleurs, donc si vous voulez mettre de la couleur etc. sur votre carnet, bah, c'est possible. Et les pages sont super, vous avez quand même plein de styles de pages, vous avez des lignes, vous avez à point comme le bullet journal, vous avez les petits carreaux traditionnels comme dans tous les cahiers. Enfin vraiment je trouve que l'idée est top. C'est autour de 20€ je crois le kit, vous avez plusieurs prix selon la taille du petit carnet, vous avez des petits carnets en mode un peu notebook, enfin bloc-notes on va dire, et vous avez des plus grands cahiers, donc c'est à vous de choisir, mais en tout cas ça tourne autour de 15 à 30€ selon le format que vous voulez. Sachez qu'il y a beaucoup d'offres sur le site et que avec le lien que je vous mets dans la barre d'infos, vous avez en plus 10€ de parrainage des 19€ d'achat, donc ça vous fait presque moins 50%. Et logiquement la marque va me donner un code promo, donc si je l'ai d'ici là, je vous le mettrai dans la barre d'infos aussi, un code promo de moins 20% si je ne me trompe pas. Donc je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos si ça vous intéresse de craquer, mais c'est vrai que je trouve que c'est l'idée quand même très sympa, originale, et je pense que tous les enseignants vont être épatés si vous leur offrez ça.
La deuxième idée, ça reste un tote bag personnalisé. Moi, je trouve que c'est un truc utile puisque le tote bag, on l'utilise tout le temps en tant que prof, même quand on n'est pas prof, hein, que ce soit pour faire les courses ou pour porter les cahiers, les feuilles. Moi, j'ai toujours des trucs à emmener chez moi. J'ai toujours des sacs. Alors souvent, c'est des sacs Kaba, mais quand j'ai moins de choses, c'est des petits sacs comme ça, tote bag. Et là, j'en ai reçu un qui est le tote bag Poudlard, parce que vous savez, moi, mon thème de classe, c'est Harry Potter. Et je le trouve trop beau. Voilà, c'est la petite touche, le petit sac un peu personnalisé. Donc c'est, je peux pas, j'ai Poudlard. Il est hyper quali. Alors vous en trouvez plein de personnalisés sur internet, hein. Mais voilà, cette créatrice, je voulais vous en parler. Je vous remettrai son lien dans la barre d'infos parce que je vous en ai déjà parlé dans un petit vlog. Mais je trouve que c'est une super idée cadeau. Un petit tote bag, ça coûte pas forcément hyper cher non plus. Et ça fait hyper plaisir. C'est un petit cadeau utile en plus. Et quand il est personnalisé comme ça, c'est la petite touche en plus. Troisième style de petite idée cadeau qui fait trop plaisir, l'année dernière j'en ai eu, c'est les petits gâteaux personnalisés. Vous savez, les petits gâteaux comme les Chantilly, la fameuse marque de gâteaux, où il y a écrit un petit mot dessus que vous pouvez le personnaliser. Moi, l'année dernière, j'avais reçu « Merci pour cette année » à Poudlard, par exemple. J'ai trouvé ça trop génial. « Merci de m'avoir fait grandir ». Et ça, j'ai trouvé ça aussi trop bien. Alors déjà, premièrement, ils étaient super bons les gâteaux. Hein, je les ai tous mangés d'ailleurs avec mes enfants. Mais c'est des petits gâteaux sablés très très bons. Mais en plus, le petit mot, mais j'ai trouvé ça tellement touchant. J'adore. Donc pareil, vous avez ceux qui sont de la marque Chantilly, qui est très très connue sur internet. Mais il en existe par exemple du Nord. Ça, c'est ma copine Laetitia qui les a trouvés. C'est les Blabla Cookies Nord. Je vous mettrai le Instagram dans la barre d'infos encore une fois. C'est une créatrice du Nord. Donc si ça se trouve, il y en a aussi autour de chez vous. Si vous êtes du Sud, de l'Est, de l'Ouest, si ça se trouve, il y a des petits créateurs de gâteaux comme ça personnalisés, fouinés. Mais je trouve que l'idée du gâteau personnalisé, c'est trop trop bien. J'avais reçu aussi l'année dernière des petits gâteaux aussi où il y avait écrit merci maîtresse en forme de règle. J'avais trouvé ça trop sympa, donc voilà, ça reste une idée sympa, simple, mais un peu originale, qui la petite touche quoi. Quatrième idée cadeau, encore une fois, ça reste des trucs personnalisés, c'est des petits bracelets. C'est la tendance cet été et l'été dernier aussi, les petits bracelets là en petite maille, je sais plus comment ça s'appelle ce petit style de bracelet, mais vous pouvez faire écrire ce que vous voulez. Donc vous pouvez écrire meilleure maîtresse, teacher, vous pouvez écrire, alors moi on m'en a offert où il y avait écrit Karine avec mon prénom et mom of three, donc avec maman de trois enfants, et après j'ai mis moi, j'ai racheté avec les prénoms de mes enfants, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein. Maîtresse, super maîtresse. Enfin, donc voilà, c'est des lots de bracelets que vous pouvez acheter. Ceux que j'ai moi viennent de l'Instagram, les bracelets de Julio si je me trompe pas, mais il en existe plein. Il existe aussi les petits bijoux merci maîtresse, super maîtresse. L'année dernière j'en ai reçu un où il y avait écrit super maîtresse je crois, et il est trop trop mignon, j'aimais trop le mettre en fin d'année et tout. Là je l'ai pas remis, mais c'est vrai que je le mets souvent. C'est voilà, c'est un bijou, donc ça reste dans le temps, et en plus de ça, avec la petite personnalisation, je trouve ça trop sympa. Vous me direz ce que vous pensez de mes idées, hein. Je regarde sur mon téléphone parce que j'ai tout noté pour éviter d'en oublier. Il existe aussi en cinquième position, en cinquième idée, des petites box spéciales maîtresse ou maître. Comme ça, vous pouvez adapter si c'est un homme ou une femme. Des petites box où il y a un petit pins avec écrit maîtresse. Je vous mets des petits visuels parce que je les ai pas, évidemment. Mais ça aussi, c'est des super idées. C'est un petit clin d'œil. Ça reste un peu différent de ce qu'on trouve dans le commerce. Parce que c'est vrai qu'en fin d'année, vous trouvez plein de choses dans le commerce avec les tasses, merci maîtresse et tout. Là, c'est un petit peu plus raffiné, un petit peu plus... Voilà, c'est la petite touche, c'est pour dire que vous avez pensé à l'enseignant de votre enfant, mais sans avoir dépensé 500 euros. En sixième idée cadeau, j'ai noté, et ça c'est ma copine Laetitia qui me l'a dit, je vous remettrai le lien de la du Instagram et du YouTube de ma copine Laetitia, c'est les fameux tabliers de maîtresse. Donc je vous mets des photos parce que moi j'en ai pas du tout. Ce sont des tabliers que vous pouvez mettre autour de la taille, qui vous permettent de mettre vos téléphones, vos stylos, vos petits trucs pour vos élèves. Souvent ce sont les maîtresses de maths qui ont ça parce que bah, ça reste très pratique dans leur quotidien. Elles ne sont jamais assises à leur bureau pour corriger ou quoi que ce soit. Elles sont souvent dans le mouvement, dans l'action, autour des élèves. Donc c'est vrai que le petit tablier, c'est pratique pour pouvoir prendre tout de suite les choses utiles. Donc c'est vrai que les maîtresses de maternelle, souvent elles adorent ce style de petites choses. Pareil, c'est fait souvent par des petites créatrices que vous trouvez sur internet ou sur Instagram. Bah, je vous conseille, vraiment je vous conseille d'aller zoter sur Instagram, mais il y en a tellement tellement plein, et moi je vous mettrai quelques exemples dans la barre d'infos, évidemment, hein, si vous fouinez, si vous cherchez dans ma barre d'infos, vous trouverez les informations. Mais le tablier de maîtresse, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui plaît aussi énormément, surtout aux maîtresses de maternelle.
L'idée suivante, c'est les fameux t-shirts ou pulls personnalisés avec écrit maîtresse, teacher. C'est en vogue cette année. Nous, on a une copine du Nord avec Laetitia qui est pas très très loin. Wendy qui a sa boutique Teachies Boutique. Je vous en avais déjà montré, j'avais acheté un pull avec écrit teacher et avec des verbes qui correspondaient aux maîtresses. Et bah, j'adore, je le mettais souvent cet hiver. Et là, il y a les t-shirts maintenant avec écrit maîtresse ou maman maîtresse ou plein de petits clins d'œil. Il y a même pour les AVS, les AESH, etc. Donc c'est juste trop trop sympa. Et c'est des petits t-shirts personnalisés comme ça qui vont servir dans le quotidien, qui sont utiles. Et je vous avoue que les maîtresses un peu fans, elles vont adorer. Il y a aussi les fameux protège-cahiers de maîtresse. C'est quelque chose que vous connaissez, vous avez sûrement déjà vu moi sur Instagram, je vous ai montré le mien. Je l'adore, c'est Laetitia aussi qui me l'a encore une fois offert. Et ça vient d'une petite boutique Instagram, je crois que c'est les tricots de Lumena. Et c'est fait faire personnaliser, donc c'est au format du cahier d'appel de la classe. Vous demandez hein, si vous n'avez pas un format... comme le mien, mais souvent c'est des formats à peu près basiques pour tout le monde. Ça vous permet d'avoir un cahier d'appel tip top, au moins vous ne l'oubliez pas sur votre bureau, et il est personnalisé, donc moi il est en version Harry Potter, mais si vous, vous préférez les petites fleurs, si vous aimez bien le violet, si vous aimez bien le vert, bah, encore une fois ça peut être personnalisable à votre goût, donc ça c'est aussi je trouve une idée cadeau pour les maîtresses, super sympa, super utile, même pour les maîtres. Voilà, si vous avez un maître qui est fan de foot, bah vous lui faites un petit protège-cahier d'appel style foot et tout, ça peut vraiment, je trouve que c'est la petite touche. Et encore une fois c'est utile, c'est pas quelque chose qui va rester dans un placard, il va être utilisé tous les jours parce que le cahier d'appel on l'utilise tous les jours en tant qu'enseignant, donc je trouve que c'est une trop bonne idée. Quand j'ai reçu ce cadeau-là de la part d'Etia à Noël, j'ai trouvé ça trop trop fort. De toute façon, Etia, elle a toujours des idées de dingue. Donc là, on va dire que c'était toutes mes idées de cadeaux personnalisés où là, il faut aller voir des petites boutiques, des petites choses comme ça. Mais après, vous avez la possibilité, si vous pouvez, entre parents, de parfois de faire des petites cagnottes ou même sans être avec plusieurs parents. Mais je sais que les soins du visage, du corps, des pieds, des mains, les petites manicures, c'est quelque chose aussi qui peut vraiment plaire à des maîtresses ou même des maîtres. Parce que c'est vrai qu'en fin d'année, on est stressé, on a accumulé beaucoup de fatigue. Moi, j'ai dû aller voir l'ostéopathe tellement j'avais mal au dos. Et je pense qu'il y avait énormément de stress dans mon dos. Et ben voilà, un petit massage du corps, un petit massage des pieds, où, ben, ça peut faire trop du bien pour conclure l'année en beauté. Donc ça peut être une idée aussi. Je sais qu'il y a une maman hier qui m'a parlé des box. Alors moi, j'ai jamais reçu de box en fin d'année, mais c'est vrai que ça peut peut-être plaire à certains enseignants. Mais il faut s'y mettre à plusieurs parents parce que c'est un budget quand même un peu plus élevé. Mais en tout cas, ça reste une autre idée possible de cadeau de fin d'année. Il y a aussi comme idée cadeau les fameux carnets de professeurs des écoles. Moi je vous en parle souvent dans mes petits vlogs avec les fameux carnets de Marina mais que fait la maîtresse. Mais vous savez les petits bullet agenda, le petit planeur de professeurs des écoles. En tout cas il y a plein au Furet du Nord, à la FNAC, etc. Vous trouvez maintenant plein de sortes d'agenda, carnets pour les professeurs des écoles qui sont très sympas, très ludiques et très pratiques encore une fois, et très utiles. Donc si vous offrez ça à un professeur en fin d'année qui pourra s'en servir pour septembre, octobre, etc. pour l'année d'après, bah c'est aussi une très très bonne idée, quelque chose d'utile qui fera très plaisir. Et puis alors là c'est toutes les idées, hein. Je vous ai mis tout mon panel d'idées, mais après il y a aussi les petits objets fabriqués maison qui peuvent plaire beaucoup aux maîtresses. Hein. Je vous mets des photos mais j'ai vu passer des trucs trop sympas qui peuvent vraiment plaire, de la décoration pour la classe, des plantes. Moi je trouve ça trop trop bien une idée d'offrir des plantes, des fleurs, même si c'est l'été, moi je les emmène chez moi et après je les ramène à l'école. C'est vrai que j'en ai rarement des idées de plantes, des cadeaux de plantes, mais je trouve que c'est une super super idée. Est-ce que les plantes ou des fleurs en pot, ça sert en fait dans la classe, ça égaye une classe et voilà, c'est trop joli et du coup ça reste de la déco de classe très sympa pour avoir une classe un petit peu plus verdoyante. Il y a aussi des idées de déco si il y a une classe qui est sur un thème. Par exemple, moi sur Harry Potter, souvent les parents m'offrent des choses en lien avec Harry Potter puisque ça va dans mon thème de ma classe et ça va permettre d'être là les années suivantes. Donc voilà, vous avez plein d'idées pour les maîtresses, mais comme je vous l'ai dit, le principal c'est de dire « je vous entends pas ». Bah oui, merci. Si vous êtes satisfait du travail de la maîtresse, n'hésitez pas à aller, ou du maître, n'hésitez pas à aller lui dire merci. Voilà pour mes petites idées cadeaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Et puis, on se retrouve prochainement. Et si vous avez plein d'autres idées cadeaux
que je n'ai pas dit. Déjà, si c'est pas assez pour vous, je vous renvoie vers mes deux autres vidéos où il y a d'autres idées cadeaux. Et si vous avez d'autres encore idées, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires pour qu'on soit un max à donner toutes les idées. N'hésitez pas à dire ce que vous, vous allez offrir ou pas. Hein. Évidemment, il n'y a aucune obligation d'offrir un cadeau. C'est juste pour le plaisir, juste pour remercier quelqu'un, mais il n'y a pas d'obligation. Et dites-moi tout ça dans les commentaires, hein. Je vous attends. Je vous y rejoins et je vous fais sur ce des gros bisous. Salut !